De nos proximités humaines, de nos voisinages apparemment faciles mais vite conflictuels, ce récit parle de nous. Il parle de nos vies blessées, de nos larmes intérieures, de notre vivre ensemble dans une société fracturée. La cité des hommes, votre cité, ici même, a besoin du souffle de la fraternité.